www.bitcoin.com. Ah voilà, c'est parti, 9h41, je démarre avant, tiens, pour la peine. Alors voilà, la petite pause, j'ai démarré un petit peu avant. Fallait que je prévienne Pégase apparemment. Allez, j'ai pris mon petit café, j'ai tout préparé, moi je suis prêt. Je vais démarrer le serveur, allez. Attends, moi je balance mon OBS. Encore une fois, j'allais oublier. Comme la dernière fois. Ah ouais, c'est ça. Par contre, sur le chat, je vois personne sur le chat, je vois que toi. Hein. Sur le chat, ouais, j'ai marqué un petit message. Bienvenue à tous. Salut, encore quelques réglages, le live prendra forme. Ouais, le live prend forme. J'espère que rien ne va planter parce que mon processeur est en train de ramer des fesses. Normalement, tout devrait fonctionner dans la merveille du monde. Ben, logiquement, ouais. Alors, il me dit que le serveur saccade. Ah, j'ai une perte de connexion. Ah, alors, démarrer l'enregistrement. Hop. Et je relance. Voilà, pour moi, ça charge. Serveur. Allez, il est quelle heure là? 9h43. Normalement, c'était 10h, mais allez. On lance ça en début de journée à 4h50. Je lance. Bon, on va éviter de mettre la cam. Déjà voir qu'en plus il est lourd. 5 minutes déjà? Eh ben.
Salut à toi. Salut à toi, oui, Pégase. Le compagnon de route, Pégase. C'est bon, tout est activé pour mon côté. Alors, est-ce que mon pépère va avancer? J'ai pris ma manette, je me demande pourquoi. Alors que d'habitude, je fais ça au clavier souris. Désactiver la manette. A tes souhaits, à tes amours. Oh bah, dis donc. Bon, là, merci. Bon. Oh là là, l'image. Ça cade, mais ça va venir, ça va venir. Oh, le col. C'est bon, ça vient. Tout doucement. Mais sûrement. Le graphisme est en train de se faire. Deux secondes. Ça rame un petit peu des fesses. Mais le processeur va bientôt être changé de toute façon. Hein. Tout ça, ça va être réglé. Ouais, d'ici deux ou trois ans. C'est ça. Déjà la nuit? Non. Bah, si. Tu sais que ici les nuits sont courtes, hein. Moins sont longues. Oh là là, j'ai des latences de folie. J'ai des coupures au niveau de la vidéo. Putain, j'ai mal le ventre. Trop de café? Ah non, même pas le café, j'ai eu qu'un seul ce matin, ou un café, un cappuccino, tranquille. Alors, le live a commencé et le PC est en route, Pégase. Ouh, en route, il est chaud. Bah, il y a rien qui fonctionne. Ah, j'ai tiré, je crois. Ça fait pan. En effet, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'image. C'est bloqué. Alors, le processeur, qu'est-ce qu'il donne? Je vais voir dans les performances et je suis au maximum. Le processeur est en faillite. Ah, il est de retour apparemment. Ah, ça y est. La dernière fois, j'ai oublié d'éteindre le serveur. J'ai laissé en route pendant 2-3 heures. T'as mis le son, Pégase, du live. Excuse. T'as mis le son du live? Non. J'entends un double. Ah non, j'ai le PC qui rame des fesses à mort. Pourtant, niveau qualité... Normalement, ça devrait passer. Hein. J'ai toujours fait les lives jusqu'à présent. Il n'y a jamais rien eu. D'aussi spécial qu'aujourd'hui. Salut, K2Books. J'espère que je le dis bien. Et au niveau qualité, comme je le disais, pourtant j'ai dû le descendre pendant un temps. L'anticrenelage, peut-être, il est un peu fort. Il y a certaines choses qui bouffent au niveau de mes FPS du jeu, et du coup, ça donne dans le pros aussi. C'est bon. Alors aujourd'hui, bonjour et bienvenue. Je suis The Death et la mort est à mes pieds. C'est parti, Pégase. Il est 9h47 et le jeu commence. Très mal. D'habitude tout fonctionne, mais là tout me lâche aujourd'hui. Il n'y a plus rien qui veut. Alors, une petite explication du comment, du pourquoi, si vous voulez, aussi dans le chat. Du serveur, de ce qu'on a fait jusqu'à présent. En plus, Pégase, tu viens de le renouveler. Ça, c'est cool. Est-ce que tu m'entends, Pégase? Oui, je t'entends très bien. Je te vois courir, sauter, bouger. Est-ce que pour toi le serveur a bien été renouvelé, au fait? Ouais, c'est bon pour 33 jours. 33 jours, renouvelable. Allez hop. Bonjour toi, tiens, on va te mettre un petit niveau, pépip, hop. Ben justement, avant de dire bonjour à ton dinosaure là, que je viens de taper là. Bonjour à mes abonnés, bien sûr. Oui, bonjour. Oui, parce que toi tu enregistres en même temps, oui, c'est vrai. Bonjour à tous, hein. Comme je l'ai dit.
Donc il y aura des moments très difficiles parce que bah, dernièrement on avait récupéré un. De quoi déjà? On avait récupéré un deuxième Belzébuth. Enfin, Belzébuth, Spinosaur. Mais il est où lui? On l'a perdu? Ah, il est là. Le Spinosaur de l'amour. Et on n'a pas encore le niveau pour la selle. On en a deux. T'as vu, t'es allé voir la grosse plante? Ouais, elle est énorme. Ouais, mais on a dans le carré, parce qu'il y a, on compte, il y a notre graine. Il y a une autre graine dans le carré. Ouais. Ah T'as bon? tout pour faire les pièges et t'as plus un genre d'œuf ou je sais pas quoi. Attends, il n'y a pas d'engrais dedans en plus. Attends, L'engrais, attends, attends, attends. je suis en train d'en faire justement. Maintenir pour plus d'options. Ah oui, mais je veux aller dedans. Voilà. Ah bah Sur lequel? c'est sa graine, c'est parce qu'il y a. Ouais, c'est sa graine. C'est la graine, en fait, elle a refait une graine. Certaines plantes, en fait, te refont des graines. Bah c'est cool ça. Ouais, comme le narcoberry, une fois, je me suis demandé pourquoi le narco il est pas disparu, parce que ça disparaît hein, quand ça fonctionne. Eh ben non, Ouais. en fait il a refait une graine. Donc en fait ça te permet de pouvoir replanter derrière ce que tu veux. Que ce D'accord. soit narco ou autre. Et on voit tout de suite quand il n'y a pas de comment dire, d'engrais, parce qu'en fait les plantes automatiquement ne poussent plus. Ok. Bah, je pense si tu viens de remettre de l'engrais sur celui-là et qu'on voit sa graine, c'est qu'il n'y avait plus d'engrais. Là, j'ai dû reposer trois bouses. Trois bouses, d'accord. Et j'ai éliminé deux côtés aussi dans un coffre pour la prochaine, pour faire du fertilisant, quoi. Ouais, d'accord. Ce qu'il faut savoir, je crois, c'est il faut trois crottes, trois merdes. Oui, Et trois merdes et je trois. crois c'est du 500 ou 600 branchages, quelque chose comme ça. 600. 600. 600 branchages pour pouvoir. Ouais. Et du Pour pouvoir lourd. poser Attends, je vais mettre un petit peu du d'éclairage là temps. parce que là, on n'y voit plus rien. Ah, c'est bon. Et j'ai mis une pancarte. Ah non, ça peut mieux dans l'eau. Ce qui est à moi est à toi. C'était dans l'épisode précédent du live. J'avais mis une pancarte. Parce que je l'avais récupérée normalement dans le. Dans une lumière, c'était une verte, il y avait des structures en bois dedans que j'ai récupérées. Ouais, ce qu'il y a à faire, c'est que nous, regarde, en haut, regarde. Un joli dragon blanc qui se pose. Je l'ai vu briller, je l'ai vu s'attiller. Mais on va éviter. La dernière fois que t'as touché un wyvern, ça a été Fatal Bazooka quoi, c'est paf. Ah, moi j'ai rien fait, moi. Bah, t'as tiré dessus, je crois. C'est pas vrai. Oh, je suis un menteur alors! Oh, comment qu'il est lui! Attends, j'ai demandé à sourire, mais pour me sourire. Bah écoute, j'ai tiré dessus. Voilà. Non, lui! Oh, comment qu'il est! Oh, Bah écoute, ça Pégase! va. J'ai Tu es pas de tué, ça va. mauvaise foi aujourd'hui! C'est lui qui m'a tué, ça va, t'inquiète. C'est lui qui t'a tué! Ouais. Il a glissé sur une pelure de banane, c'est ça? Ouais. Et en tombant, il a toussé le wyvern. Comme une poupée qui tousse. Alors là, je suis en train de regarder Pégase pour les structures en verre. Parce que viens voir dans l'atelier, on a 11 structures en verre, une porte et la structure pour la porte qu'on le bâtit. On n'a pas encore le toit. Je pense qu'on a le verre, mais on n'a pas le structure en verre. Non, la porte-fenêtre, Mince. encadrement, mais on n'a pas de toit. Structure. Pas que je me Et trompe. Vert. Alors le le toit on peut toit, le faire soit incliné, on peut aussi faire plat. ouais, nous c'est plat, hein, pense. Hein. Plat et on peut faire les côtés inclinés, mais après on peut agrandir, hein, faut pas oublier. Toujours après faire d'abord une serre et après s'occuper de la maison. Bah c'est ce que je viens de penser, c'est pour cette vidéo, je voulais faire une serre. Alors ça tombe bien, mais on n'a pas le métal, il faut aller chercher du métal. Était l'objectif qu'on devait faire depuis une paire de jours, mais que je n'étais pas là. Pris par le. Ah bah mon jeu, bah il recommençait à latence. Désolé pour les latences. Hein. Alors pour le faire. Bon, on n'en a plus.
T'es parti en chercher, je suppose. Le Pégase est peut-être partir. Non. Alors, oh là 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 là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là. Mais à côté du dragon, nous avons un Baryonyx. Oh super, on va tester nos Baryonyx. Attends. Le problème, c'est que j'avais coché la case pour désactiver les dinos dangereux. Eh ben écoute là. Ah bah moi il y a plus rien qui va. Le moi j'ai mon pros, il commence à lâcher, mais vraiment. Allez. Tu me suis avec Belzébuth, tu veux faire quoi? Attends, déjà laisse-moi calmer-vous les Baryonyx. Ah oui, regarde-le avec la jumelle, oui c'est ça. C'est une femelle, hein. C'est pas le femelle, c'est une femelle niveau 28. Oh, est-ce que... Ouais, mais si on abandonne pas nos mâles, hein, on les garde. Ah ben, monte sur la tour. La tour que t'as faite dans la base. Ah, excuse-moi, c'est vrai. Pardon. On peut l'avoir tranquille. Pardon, c'est vrai, excuse-moi. Oula. Oh, je vois le cul de Michel. Michel, alors. Le cul de Michel. Ah, excuse-moi, mais j'ai mon pépère qui... Non, mais fais pas ça, Pégase, qu'est-ce que tu fais? Il est où? Juste devant la maison, t'inquiète. Ah, il attaque. Pégase, il attaque. Bah pour aussi, il doit pas attaquer. Il attaque. Endors-moi ça. T'aurais pas dû. Oh là là, les amis, le Pégase. Ah bah voilà, il a tout cassé. Et notre Baryonyx nous défend. Pégase, la prochaine fois, je te l'ai dit, ne pas tirer dessus tout de suite. Ah là 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 là, les amis. Non, puis en plus, j'ai des latences de folie. Normalement, les murs étaient normalement indestructibles. J'ai coché la case pour qu'elle se détruise. Et possible. Comment que ça se fait qu'il y a un Spino là-bas? Oh non, Pégase, t'abuses. Comment que t'as tout cassé pour toi tout seul? Je reviens. Ah, ça fait mal, les amis. Ah, tout ça pour une femelle. Baryonyx. Est-ce qu'on a perdu la note? Non, tu sais pas. Est-ce que la note est morte? Ils ont tout bouffé. Les piranotes ont tout bouffé. Ouais. Non, moi les murs, c'est incassable, moi les murs. C'est pas prévu. Notre Baryonyx est là-bas. C'est bon, il vient à moi. Et où le parce qu'il est mort? Bah oui, Pégase, à ton avis, bien sûr. C'est parce que lui il a pas été désactivé, on l'a pris, je suis désolé, mais on l'a pris, on l'a pas désactivé. C'est un peu comme un robot, mais ça n'est pas un, mais sauf que on ne l'a pas désactivé, Pégase, il est toujours à attaquer notre cible. Il n'était pas en mode passif. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Donc du coup, bah on perd une femelle. Hein. T'as été trop vite. J'aime la vitesse. Non, c'est pas ça, Pégase, c'est que bah il faut régler les choses avant de commencer à attaquer, hein, je te l'ai dit, hein. On a déjà parlé de ça, si t'attaques trop vite, après, si t'as pas vérifié que si lui était pas en mode attaque, bah voilà, quoi, c'était foutu. Et après, lui, on l'a eu à quel niveau, lui? Parce que lui, Baryonyx, niveau 43, quand même. Ouais, lui, il a eu pas trop haut non plus. Comment je fais déjà pour ça? Oui. Non, je vais lui mettre un niveau. Comment j'arrive pas à mettre de niveau, moi? Ah, c'est bon. Je vais refaire le mur en chambre, t'inquiète.
Pour l'instant, c'est pas trop grave, y a pas d'ennemi énorme qui est dans le coin, mais. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas qu'il attaquait le mur et puis que. Après, c'était logique, hein. Le nôtre, il a commencé à attaquer aussi au moment que tu as bousillé tout le truc là. Pourquoi un peu branchage. Mais si tu fais. T'en fais pas, ça va revenir, on va avoir du branchage et tout ça. Gilbert, il est là. Michel aussi, tout est bon. Est-ce que je vais chercher du métal? Vas-y si tu veux. Il y a les dragons. Alors, désolé pour les latences, j'ai mon processeur, je le dis tout de suite dans la vidéo encore une fois. Il est en train de me lâcher un petit peu, mais le nouveau arrive bientôt, j'ai commandé. Je crois qu'il y a notre dinosaure qui est en bas ou c'en est un autre. Spinosaure? Ouais, un spino. C'est pas nous. Donc il y a un spinosaure, Pégase. J'ai vu. Je vais essayer de l'attirer en lui tirant une flèche si le serveur veut bien me laisser jouer. Allez, c'est juste un spinosaure. Oui, juste un spino. Ah, j'ai des coupures d'écran. C'est sale. Voilà. T'atterris là. J'essaye de me mettre pour la tirer en fait. Je vais tirer dessus pour la tirer par ici. Non, loupé. Et d'une. Et de deux, loupé. Ah, ça touche. Ouais, puis zut. Ça touche. Graphiquement, je suis désolé. Hein. Franchement, je suis déçu. Ah, pas de ta faute. Je suis déçu. J'ai le pros qui me lâche, hein, Pégase. C'est un truc incroyable comme il y a des coupures. Le coup, moi, pour l'instant, sur live, je vois ça. Pas de problème. Je vais lentement, mais doucement, jusqu'à l'autre côté de l'île pour aller chercher du métal. Ah, il faut ça, moi, quoi. Mais est-ce que il tirerait pas le jeu sur le processeur par hasard? Ou est-ce que c'est parce que j'ai fait un mauvais réglage quelque part? Peut-être. T'as pris Michel? Oui, pourquoi? C'est mon Michel! Désolé, bah. Viens avec Ginette alors. Elle est où celle-là encore, Ginette? Elle est là-bas. Normalement, elle était avec toi. Allez, là. Allez, Gertrude, on y va. Oh là 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 là. Ah bah, je dirais bien, j'ai une fixation. Hein? En regardant mon retour live, je dis j'ai une fixation. Et le spino en bas, c'est quoi comme spino? C'est un mâle ou une femelle? On a deux mâles en spino aussi? Non! Attends, je vois celle-là. Non, 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 t'as déjà fait assez de dégâts, Pégase. Arrête! C'est une femelle! Je te connais, arrête! Moi, pas le femelle! Arrête, on fera ça la prochaine fois! On doit faire notre métal, on avait dit de prendre nos serres et tout ça, on doit faire nos cultures, on doit faire la maison. Voilà. Mais les abonnés nous disent qu'ils veulent une femelle! C'est pas vrai! Mytho. Bah ouais. Là, on a la fibre live. J'irai aller me abonner. Dites-moi si vous voulez. On est là pour vous. Ah ouais, sur le live. Allez, bougez. Dites-nous ce que vous voulez. Dites-nous ce que vous entendez par spinosaure, tiens. Est-ce que c'est une crotte de nez? C'est une pignole. Ou une bière. Imagine la marque de bière, toi, Spinoza. Déjà, il y a déjà le Corona en bière, donc. Bah, de toute façon, l'invention d'un virus est encore plus performant qu'un dinosaure, quoi. Même le nom d'un dinosaure, on peut même pas le prendre, quoi, pour faire non, une bière. Ce que je veux dire, t'as la bière qui s'appelle aussi Corona, donc. On peut prendre la tout, hein. Non, mais c'est vrai, en plus, ils ne prennent pas. Hein. Ils ont fait une marque déposée et tout, tu sais. Non, mais cette bière, ça fait un petit moment qu'elle existe, hein. C'est.
C'est fou comme les gens peuvent utiliser quelque chose comme ça du jour au lendemain, comme si c'était rigolo. Bah ouais, mais bon. Que veux-tu? Il y a une bière de Corona, le virus est dedans. Non, 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 madame, ça va. Non, y a pas virus. Y a rien dedans, c'est juste une bière, c'est juste le nom. Et juste l'antivirus si tu veux. C'est l'antivirus, ouais, c'est à la Resident Evil. Umbrella. Umbrella est parmi nous. Alors, ce qui est drôle, Pégase, tu vas rigoler, mais il y a des dinosaures sur l'île cette fois-ci. Oui, le tricé, le brontosaure. Il y a le brontosaure, ouais, il y a un brontosaure en hauteur, je vois sa queue. Et j'ai un parasaur devant moi. Ginette, c'est où là? C'est pas bougé toi. Ah, je pense que s'il a du mal, c'est parce qu'il y a le brontosaure. Le serveur. Sur ici, nous avons brontosaure qu'on n'a pas renommé. Et nous avons. Boubou! Mon dieu! Pégase, petit problème au niveau de l'île. De la moelle. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau celui-là! Regarde ça, toi. C'est vers le coffre, c'est ça? Oui, je suis vers le coffre. J'y suis là. J'arrive. En volant aussi vite que je peux. Alors là, je suis en train de manger des. Des petits copies. Je vois. Je vois des points. Et il y en a un qui se régale. Michel. Ah là, Michel. Alors, Michel, il y en a plus. Il y en a plus, Michel. On se calme, Michel. Gamma 2. Hein? Non, je sais pas si mon jeu en gamma 2, parce que c'est que le soleil qui se lève. Ça éblouit. Hop! Petite marche arrière. Alors, dans ce coffre, normalement, il y en a pour 490 €. Est-ce qu'on descend tout en bas? Plus. De moitié, s'il vous plaît. Merci, sinon c'est trop lourd. Et on pousse pas. C'est que de l'argent. Hein. C'est là. C'est l'argent, les abonnés. Mince, j'ai une petite latence. J'ai perdu mon oiseau. Par contre, si tu prends la ferraille, il faut t'en prendre. Tu peux prendre maximum 50 sur toi. 50-75. Ouais, oh, je suis dans 45. J'en ai plus que 45. T'en fais pas, Pégase. Je gère la situation. Non. Ginette, je vais te gifler. Ah, t'as poussé. C'est une conne. Ginette, c'est une conne. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait, Ginette? Oh la pauvre. Elle prend même pas mon fer, cette garce. Elle est trop légère. Enfin, elle est trop lourde. Puissante. J'ai oublié de virer quelques trucs pour. La Ginette. Le pteranodon qui veut plus. J'en peux plus. Nous avons Jackie, on a de la petite Michel. Oh, la c'est performance, c'est Michel, moi je dis. C'est pas Jackie. C'est qui prend rien. Ah, mais le coffre qui est dans le radeau, il est plein ou pas, lui? Parce que pour faire le tour avec le radeau, c'est la galère. Non, il est vide. Je l'ai vidé, le deuxième jour après le live. Il est vide. D'accord, bon bah. Je reprends Michel. Ah, ton pteranodon, Michel. Ah, bah, tu passes juste au-dessus de moi. Il a pris un niveau. Ah ouais, toi, tu as mis tout en poids, non? Ah ouais, mais j'ai mis tout en poids, moi. Vu qu'il fallait faire des trajets avec des fers, donc je mets en poids. Bon, je lui mets... Attends, au lieu de comment elle est à la maison, on a un brontosaure ici. On va te mettre sur lui. T'as tout compris. Allez, mon bronto. Toi qui es beau et merveilleux. Ah, sinon, descends-le, tu as le radeau. Bah, un poids de plus, tiens. Attends, je vais le prendre. Un poids, un niveau de plus. On va le descendre en bas. Juste en dessous de la source de métal. Bah attends, justement, avant de bouger, laisse-moi lui mettre la ferraille dans le fion. Ah ouais, quand même. Ah, c'est dans son cul que t'envoies tout ça, toi. Il faut bien remplir son inventaire, quand même. C'est un poids lourd, ça. Ça, c'est du poids lourd. Hein. Tu te rappelles du poids que je t'ai dit d'un brontosaure? Assez lourd. Alors moi j'ai 45 là, j'en fous 45 là. Allez Bronto, viens voir papa. Non, c'est bon, je l'ai appelé. Enfin, je l'ai dans les bras.
Ah bah il veut pas avancer de toute façon. Ah Boubou il gêne. Boubou il nous fait chier. Boubou nous emmerde. Boubou dégage. Oh non. Attends. Du coup le Bronto il y a des crampes. C'est parti. Je manipule le 35 tonnes. Voilà. Mais moi je récupère mon Michel. Pas la peine. Ah récupère les deux même. Viens avec. Va en haut déjà avec les deux. Tu les remplis, tu descends avec les deux. Comme ça moi le temps que j'arrive avec le Brontosaur, ça sera juste bien. Est-ce qu'on peut faire une vue? Ouais. Comme ça. Ah, essaye. Les Ginettes, maman. C'était nul. Oh, t'as pas joué à casse deux aujourd'hui. Ginette, faut me suivre. Oula. Beauté. Allez. Go. Ah, j'ai oublié de te le dire, c'est une dissidente, Ginette. Ah, prends des claques, hein. Ah. La dissidence d'un jeu. Par contre, qu'est-ce qu'il est lent le Breton d'or. Ah ouais, bah je peux courir avec, hein, mais bon, regarde comment qu'il court. Alors, je vais essayer de faire une manœuvre. Bip, 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 bip. Attention, je manœuvre. Attention. Je fais une marche arrière. Boop. 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 Ginette ici. Alors Ginette. Mais oula. Pourquoi il va plus? Je te pose. Ah ouais quand même lui il marche et tout sur la pierre. Ah bah oui mais c'est pour ça que tu bugs. Là comme ça ça devrait aller, regarde on dirait un beau toutou. Puis moi je peux descendre sans me faire mal. Enfin je pense. Ah Michel. Ouais j'ai réussi Pégase. Et ça balance pour moi, ça balance, ça balance. On arrive. Je vous regarde. Vous êtes où? Lève tes yeux. Ah ouais. Ginette et Mich Mich. Viens Ginette. Non. Hop. Tu l'as attrapé? Non non. Bah j'arrive pas à la prendre. Ah ouais mais si tu bouges tout le temps. Ah bah tu l'as pris. Bah c'est bon. Prends le fer au bec de Michel. Au bec de Michel. Je suppose que c'est ça. Ouais. Ah c'est bon. Et tiens. Paf. Vas-y t'envoies puis moi je... Là où je suis. Hop. Et bon. Monsieur le Bronto, vous avez 190. Ça, il a beaucoup de poids à prendre, ça va. Ouais il prendra, c'est sûr. Voilà. Je ne me trompe pas, il doit être par là. Évidemment. Il pleut. Évidemment. Ce qui m'embête, c'est. On peut pas alors avec le radeau. Il a pris cher la dernière fois, je crois. Ah ouais. Il a perdu la moitié de sa live. Et je sais pas comment qu'on le refait un radeau. Ouais, d'aller au casse-pipe, ça sert à rien. Bah, il suffit que la grosse baleine ne soit pas là, quoi. C'est vrai, ça aurait été bien. Normalement, ça, c'est du fer aussi, hein. Moi, j'ai... Hop. Oui, c'est du métal. Allez, tant que toi, tu fais en haut, moi, je fais en bas. Ouais. Allez, hop.
Bah, il nous en faut pas des tonnes non plus pour. Tu crois que j'ai laissé 480 fer en hauteur? Ça va pas là. En plus du fer, il en faut donc je ramène tout. Ouais, bah vas-y alors. Si t'es prêt, je suis prêt aussi. Toujours prêt. Ça, j'envoie bouler. Ginette, atterrit. Voilà. Fais pas de bêtises. Michel, non, il a rien. Prends Ginette, là ce qu'il faut. Et t'es pas l'occasion, prends les miens aussi. Hop, tu peux prendre les deux. Qui est juste là. Non! Merci, lâche-moi. Voilà. Je me déplace à une vitesse de deux nœuds. deux nœuds. Alors on est à quasiment 300. Oh, ça va. Et notre pont il est bientôt fini là. Oh. Bah après le pont, si on fait ça en vol, ça va pas servir à grand chose. Pourquoi? À la base, le pont on l'a fait pour monter en haut pour faire le fer. Pour faire cuire le fer directement en haut? Non, pour le récupérer. Ah oui, le pont il s'arrête juste à même pas un quart de l'arrivée. Oui, je sais. Je vois de quoi tu parles. Bon. J'adore ces oiseaux, leur cri là. Moi, leur cri. Quand ils se posent. Ça te fait bader, hein, dis-le. Oh, grave. Je crois finalement, au lieu d'épouser un oiseau, ma femme, j'épouse un oiseau. Ah oh bah tiens, l'on bat des manières. Ce qu'il faudra qu'on fasse aussi, on fera ça sûrement hors caméra, c'est qu'on va renforcer les murs, vu qu'apparemment ils se cassent les murs, donc. C'est vrai que pour un papotant sur le serveur, j'aime bien cocher la case pour pas que les murs ne détruisent pas, ne subissent aucun dégât. Et au final... Mais là, Mich, y'en a? Non, c'est Ginette qui en a. Ah bah pourquoi tu prends les deux pteranodons alors? Ah bah comme ça, au lieu de prendre 50 par 50, je prends 100 par 100. 50 Ginette, 50 moi. Bah ça prends que Ginette. Ah, je prends les deux. Ah, 50 sur Michel et ça. Ah oui, j'ai compris, pardon, excuse-moi. Oui. Vu que le poids est ouais, équivalent à ce que tu portes à toi. Ouais. Donc du coup tu peux porter. Normalement je l'ai posé, hein, je suis pas fou. Normalement j'ai une attente à porter. Pas encore. Ça viendra. Le jour viendra où ma folie vraiment prendra effet. Bon, je profite, je casse un petit peu de pierre en prenant la pierre pour la structure future de maison. Et je fous le métal dedans en même temps. Et lui, t'as combien en poids? Bon, ça va, largement même. Bon, voilà. Faut que je revienne avec la maison alors, du coup. Le bronto. Bah, quand on le prendra quand on ferait aller. Oh, ça, on s'en fout. Non! Oh, putain, un peu con. Voilà. Je voulais éviter de taper la queue du bronto. Oh là! Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tapé sur une. Sur un cristal. Voilà. Du cristal, il en faudra encore beaucoup ou pas? Bon, le cristal, il y en a partout, le cristal. C'est pas ce qu'il manque, hein? Non, c'est vrai, mais je voulais savoir. Bah, du bleu, du orange, du rouge. Au central, on a même du. De toutes les couleurs, c'est impeccable. Carrément. On a ce qu'il faut. Hey, hey! C'est bon, on peut y aller? Le bronto est quasiment plat. Déjà? Ouais, enfin, après, moi, faut que je monte dessus. Hein. Tu l'as mis où?
C'est bon, t'as tout mis? Que le mien pour l'instant, faut récupérer Ginette, crache ton métal. Voilà, pas bouger. Récupérer au vol. Putain, j'ai envie de te faire piquer. T'as compris, Ginette? Sage, sinon il te pique. Bon. Avec quoi? Je sais pas, mais je te pique. Alors, Brontosaure, qu'est-ce que tu dis, toi, de tout ça? Hein, tu t'en fous? Il est sur ses deux papates. Oh, qu'il est beau. Un vrai chien. Allez, ouais. Monte sur ton bébé. Allez, je monte dessus. C'est parti. Et hop. Let's do it. C'est faisable. Ah, si tu veux reprendre un peu de fer sur toi en faisant la route, Pégase, toi tu pourras aller plus vite à la maison, hein, faire cuire. Si je prends 50 de plus, Ah oui, mais je crois que je plus vite. On va plus tard. On va à la maison, on récupère aussi Babou ou pas? Si tu veux éviter qu'il meure, oui. Et on viendra refaire cette structure de l'amour plus tard. Je vais voir un petit peu là. On est en train de préparer. T'avais continué ou pas? Non, je t'ai dit, il faut qu'on s'est quitté. J'ai pris le côté, mais à toi, je parte à Auchan donc. D'accord. Auchan, c'est un peu beaucoup de temps, on n'est pas de continuer. Elle est où la sortie? Elle est par là? Ouais, redevant. D'ailleurs, c'est où toi? Ah bah, c'est derrière, c'est bon. Suis Babou. En espérant que tu croises pas des méchants, moi je vous suis derrière. Enfin, j'essaye. Le 35 tonnes, il avance. Ah, il est crevé. J'ai crevé un pneu. Mais de la rustine. Et tu vois derrière Babou qui galope. Allez Babou. Oh, je vois un super feuillage, ouais. Moi. Boubou. Ginette aussi. Sois sage, Ginette. Dis-lui. Si elle est pas sage, elle doit se faire piquer. Alors le chat, vous parlez pas beaucoup, hein? Il reste silencieux le chat. C'est les timides, veux-tu? C'est comme ça. Tu crois que un brontosaure s'était fait à base d'écailles? Je vois des écailles sur son dos. Ça doit être sa peau à rigueur, mais des écailles, non? On dirait comme des plaques sur son dos. Bon, en tout cas, la dimension de la selle comparée à toi, tu étais petit, hein? Ah oui, j'accorde que je suis plus petit. C'était où le chemin? Le chemin. Ah bah te voilà. Il se fatigue vite, hein, désolé. Sur le chemin. Oh, oh, ça c'est faisable, regarde ça, c'est pas beau. Il est là le chemin, tu vois, c'est juste tout droit. Alors, toi tu me dis tout droit. Et moi je suis sûr que c'est pas toi. Si, suis mon pseudo. Je le vois pas du tout, je le vois pas. Tourne l'agent à droite. Ah oui, ça y est, je vois un pteranodon. Le problème c'est que comment faire descendre le brontosaure? Et comment faire descendre le brontosaure? Bah, bonne idée. Allez hop. Ah moi j'avance hein. Ginette ici. Dépêche-toi. Ginette, je te frappe. J'ai fait bugger quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah c'est Boubou, il me gêne. Je sais, attends. Alors Ginette. Pas bouger. Boubou.
Allez, c'est parti. Tu peux aller. Bon, tu reviens, m'appelle, j'arrive, excuse-moi. C'est bon. Il descend le brontosaure. D'accord, vas-y, fais ce que t'as à faire. C'est bon. Il est descendu le bébé. Ah, il est 10h30 déjà. Est-ce que je vais y arriver moi? Oh, le brontosaure qui commence à faire des siennes. Yes! Oui, il tangue. Je passe en dessous. Ne me stresse pas! C'est parti, je cours! Attention, attention, l'autoroute! Allez! Michel! C'est bon, j'y suis. Je vais faire juste une chose avec le brontosaure, c'est que je vais mettre le bois ici. Je vais le laisser là. Aïe. Hein, Pégase? Ouais, si tu veux. Parce que le bois, c'est ici qu'on en a besoin. Et je peux plus me déplacer ici? Si. Si. Comme vous pouvez le voir, il y a toujours Darkneck au pied du pont. Il a pas bougé. Ouais, il bouge pas lui, il est à la retraite. Ils nous ont de la chance. Il déjà la retraite. Voilà. Darkneck. Dommage, t'es pas là. Moi, je pense qu'il a en ce moment, à chaque fois qu'il lance le jeu, il est toujours en train de planter. Bah, c'est comme moi, là, j'avoue que ces derniers temps avec mes jeux vidéo, je sais pas ce qui se passe, mais il y a une mise à jour de Steam qui fait beaucoup planter les jeux ces derniers temps. Je sais pas pourquoi, mais moi j'ai commencé à avoir du mal aussi au niveau du game. Bah déjà, je crois que c'est dimanche sur Steam, j'ai eu une mise à jour de Rocket League. Oh, elle était lourde celui-là, je crois, 2 gigas et quelques. Hein. Non, même pas, moi non, j'ai eu une centaine de mégaoctets. Ah ouais. Bon, j'ai vidé un petit peu le bois, de toute façon on va revenir avec lui. Bon, après il faut dire aussi que les mises à jour d'Extime à l'infini, je dois faire de suite, donc ouais, les plus importantes. Comme Arc, Rocket League, juste que je joue assez souvent. Après le reste, je dois le faire dans la traîne, quoi. Ouais. Quand je sais, j'avais un jeu qui était prévu par la mise à jour pour le 10 juillet. J'ai vu que c'était un jeu que je joue plus, donc je l'ai supprimé quoi. Alors j'ai pas faim, j'ai pas soif, tant mieux. Moi non plus. Moi j'ai légèrement faim, mais ça va, c'est supportable. Le live, c'est toujours bon pour le live? Oui, oui, toujours pour le live. Boubou? Ah, il arrive au bout. T'avais perdu Boubou? Il est derrière toi. D'accord. Ah non, il a bugué, faut aller le chercher. Ah, les arbres. Attends, bouge pas, attention, je vais donner un coup de queue. Ah bah ça a pas marché du tout. Bon bah voilà, ça c'est fait, j'ai essayé de faire quelque chose, ça n'a pas marché. Ah ouais, c'est bon, il suit, impeccable. Y'a quelque chose qui me frappe? Y'a quelque chose qui frappe? Non? Non. Si. Un voleur. Ah, du Lophosaure, ouais, d'accord. Voilà. Boubou! Boubou est fatigué, qu'est-ce qu'il a, il me gêne.
Nasruk est passé, il était devant toi. Encore un philosophe. Un truc là. Vas-y, tue-le. Ah, tu vas nous bousiller nos pteranodons, hein, fais gaffe, hein. Voilà. C'est tout droit, toujours tout droit. Toujours tout droit, t'inquiète, toujours tout droit. Elle est où la montagne? Elle est là-bas. Ah, tu m'as fait faire un détour. Non, tu descends, tu descends tranquille ici. Ah, écoute, oh, j'ai putain, mon... Le bronto, il se met sur deux pattes, là. Il est fatigué, le pauvre. Bon, où dégage. Voilà. C'est bon. Allez, Michel, on y va. Il a récupéré normalement le brontosaure des narcos. Oh. Je vais vérifier 100 narcos, 200, 300, 320. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le truc qui est pas loin, c'est ça? Le spinosaure qui est pas loin, ouais. Zut. Fais le tour. Barre-toi de là. Est-ce que je dois faire marche arrière? Attends, voir. Je crois que je vois sa gueule. Plutôt le contourner, je crois, ça serait optimal. Est-ce qu'il est sur place ou quoi? De quoi? Et je dois faire quoi là? Contourne pas ça, il me voit pas. C'est Boubou. Quoi, Boubou? Ben Boubou, le trissé, il est juste en bas. J'ai cru que c'est Boubou qui se faisait avoir. Je suis épuisé à chaque fois, ça me saoule. Attends, tu sais quoi, je vais tout mettre vers toi. J'ai trop de trucs sur moi, je pense qu'il s'épuise trop vite. Viens ici. Ginette. Tu te poses, merci, et t'as pu me suivre. Mais j'ai fait le bête en prenant des fruits. Viens ma boue. Viens ici. Hop. Tu restes là. Qu'est-ce que tu fais? Ah Michel, viens avec moi. Pourquoi tu les as mis là? Je vais faire partir le spinosaure. Il est où? Pas là dans la maison. Moi, pas de l'arche. Et caniveau, lui, déjà. Femelle, Vennas, après un niveau elle. Ah si elle arrête pas de manger, oui c'est sûr. Je vais essayer de faire le tour pour l'éviter. Vas-y. T'es où? J'amène sur l'autre plage, assez loin, t'inquiète. Bah j'espère, parce que moi je vais traverser l'arche là. Attends, viens ici, je te dis. T'es où à peu près toi? La personne Espino il est dans l'eau, il me voit pas. Ah il va attaquer quoi? Il attaque quelque chose? Non, pas pour l'instant. Je suis dans l'eau de l'arche. Je peux plus courir. Je peux que marcher. Essaye de le. T'inquiète, là je. Essaye de le gérer. Il est en train de bouffer un trissé, voilà. Allez, viens. Ah, il s'attaque à un philosophe. C'est quoi qui a cassé? Hein? Il y a quelque chose qui a cassé sous l'eau. Sous le poids du brontosaure. Je cours vers la maison, j'y suis, je la vois. Vas-y, passe-moi, j'essaie de me couper de ce pont de...
De Spino quoi. Il y avait eu un mangeur d'œufs dans le coin. Heureusement que nous, notre œuf, il est fait. On l'avait passé comment le brontosaure? Par la porte. Comme il y a un trou dans le mur, il y a des dinos pas loin dangereux. Il y a des trous dans le mur, tant pis, j'ai réparé. Bah pas tout à fait parce que. Si, t'as tout réparé? Vers la tour, ouais. Parce que par la porte ça passe alors? Ouais. Ouais. On va essayer de passer ça peut-être à travers. J'aime bien parce que ça c'est bugué. Le bug. Bon, j'arrive avec les dinos. Vas-y, moi j'ai rentré notre géant. Belzébuth va nous gêner. Alors, à côté de la maison, il y a des tortues, si tu veux. Voilà, c'est fait pour le brontosaure. Il est à la laisse maison. Laisse la porte ouverte, j'arrive. Pas de soucis. Ah, quitte à me faire mal, y a pas de soucis. Alors, tu m'as dit, t'as tout fermé là-bas? Il manquera juste un peu la hauteur, mais c'est bon, ouais. Écoute. Il nous manquait du branchage, hein, je crois. On y est, ouais. On pourra faire chauffer tout ça. La route pour une serre, quoi. On va reculer les boubous et tout ça pour pouvoir réfléchir cordialement avec le... Allez, viens, Babou. Viens à côté de Belzébuffo. Oh putain, t'as squishé. Voilà, ça c'est bon. Ici, Bibu. Voilà. La prochaine fois, on prendra que les trois trissés parce que le brontosaure, c'est long. Hein. Je sais pas. Après, c'est peut-être une mauvaise idée. Hein. Non, c'est vrai que c'est assez rapide, hein, c'est vrai. Mais bon. Alors, le bronto, moi je vous dis son petit fer. Oh putain, la chier. Oh là là, la crotte de sa mère, je te jure. Il y en a beaucoup. Une belle crotte. Je pensais pas à ça, non, je parlais du fer. Ah oui, il y a 400 et une poussière. Ah ouais, c'est sûr que là. Alors, bah, je peux plus me déplacer pour la peine. Diviser la pile de moitié. Après, la même chose comme là. Bah alors. C'est parti. Tu l'as fait comment? Moi, c'est même pas que lui, hein, le matin, je te jure. Hein. Tu verrais. Et ça chauffe, c'est parti. Allez, prends les narcos qui restent, j'ai pris le fer, j'ai tout pris le fer. D'accord. Prends juste la narco. Tout à l'heure, j'ai fait le bête, j'ai jeté de la narco sur la précipitation quand tu m'as dit qu'il y avait le spinosaure qui était pas loin de la maison. C'est pas grave, c'est pas grave. T'inquiète, ça arrive à tout le monde, c'est pas grave. Non, ça doit pas arriver. Non. Non, ça doit pas arriver. Et la vie ou le fer? Il vaut mieux la vie. Le fer, on peut toujours en retrouver du fer, donc c'est pas grave, t'inquiète pas pour ça. Je t'en veux pas. Je t'en veux pas, je vais juste te tuer, mais si tu t'inquiètes pas pour ça. Alors, le chat, qu'est-ce que vous pensez? Vous pas beaucoup à parler, hein, y'a personne, on dirait. Hein. Ah, ils sont timides. Il y a 7 followers, j'ai vu. 40. Parlez, posez des questions. Faites péter le chat, quoi. Pas jackpot, mais le chat. Alors, pour leurs questions, déjà, moi j'ai une réponse, même s'ils ont pas mis de questions. On est sur Crystal Isol. Donc, c'est complètement le DLC tout nouveau qui vient de sortir. Et je pense qu'ils l'ont vu. Il y a des dragons, hein, des wyverns. Ce qui est pas d'habitude sur une île comme celle-là. Ah non, d'habitude c'est autre chose que des wyverns. Hein. Tu fais un petit peu de paix. Hop.
Ah, bah tiens, j'ai un niveau. Casser les pieds ici. C'est parti pour. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Vitesse, compétence. Allez, je vais mettre résistance à fond. Ça y est, j'ai augmenté, je suis niveau, je sais pas. J'ai trop de trucs, trop d'informations là pour le Et niveau 65. Impeccable. Et là, moi, je suis niveau. Moi, je cherche, c'est la salle du Spino. Niveau. Ah, oh, moi, je suis niveau 66. On peut faire un lance-flamme, what the fuck. Munitions pour lance-flamme, détonateur à distance. Carrément des charges. Ah ouais, bah du C4, bah ouais, il y a le détonateur juste là. Un détonateur, la charge. Plaisir. Un niveau 65, tu pourras faire le récepteur pour transporteur. Ouais, le transpondeur, et après, tu pourras faire le transpondeur. Alors, le truc qui me fait. Je sais pas comment on utilise ça, le broyeur industriel. Alors, aucune idée. J'ai juste de le remarquer. Et on peut avoir un planeur dorsal. What the fuck? Niveau 62. Engramme planeur dorsal. C'est bizarre que moi je ne l'ai pas. J'ai la selle d'argent à vis et les fléchettes tranquillisantes niveau 62. On a des pompes à pétrole. J'ai le réfrigérateur en fer. Le climatiseur. Moi j'ai un climatiseur niveau 61. Oui, et niveau 60 c'est réfrigérateur. C'est ça. Waouh, le dragon qui vient de passer là, vert, au-dessus de nous. Trop la classe. Il est derrière toi. Go, tirez dessus. Da 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 da. Alors, ce qu'on va faire, Pégase, on va commencer à se faire ce schéma qui, depuis le temps que je demande de le faire, ça fait au moins 3 épisodes, je me suis dit je vais faire cette serre et je veux le faire. What? Il atterrit comme ça devant moi, lui, mais la violence, quoi. La violence de ce dragon. Vraiment, comme il est beau. Il est génial. Ah, moi, j'ai même pas envie d'en prendre un. Ils sont bien comme ils sont. Ils ont pas besoin de. Je sais pas. Hein. Peut-être un jour on l'aura. Mais là, pour l'instant, ce qu'il faut, c'est trouver son nid, Pégase. Il y a un nid quelque part. Il faut prendre son œuf et pouvoir le tamer. Mais si tu prends son œuf, tu sais ce qui se passe. Hein. C'est un peu comme les. Ah oui, tu pourchasses, hein. C'est évident. C'est un peu comme les castors. Les castors géants. Ouais. Quand ils te poursuivent, quand tu prends dans leur hutte, le. Comment dire ça, le ciment. Ouais, le. Non, ou le bois, ou quoi que ce soit, ouais, justement, ouais, je sais. Justement, là, je vais faire voir ça aux abonnés. Alors, structure. C'est ça, en vert. Non, c'est pas structure en premier, je voulais faire d'abord. Désolé. Schéma, c'était quoi? C'était le. J'avais dit de le poser directement sur le sol. Fondation, ouais. C'est ça. Fondation, ouais. La fondation d'Abbé Pierre. Voilà, vous voyez, ça c'est des huttes à Castor. Et Castor, il est là. Faites pas attention les viewers, hein. Ils parlent tout seuls. Hein. Et la vieillesse prématurée, Pégase. Moi, mais t'es méchante. Il devient fou. Si j'accède à l'aventure, si j'accède à l'aventure. Waouh, t'es fou. Ouais, franchement, ouais, c'est bon. C'est bon, on l'a perdu. Je mets même pas les niveaux des dinosaures quand je passe à côté d'eux comme ça. Oh, le sale. Un petit peu d'attaque. Et me course. Bon, tu t'en vas? Ça saute, moi, cette merde. Moi, j'ai besoin de. Allez, on va prendre le Baryonyx. Je vois qu'il y en a un qui s'occupe du dragon qui est en train de faire mumuse. Non, c'est un castor à qui je m'amuse. On peut l'endormir, mais c'est quoi qu'il lui fallait, lui? Pour le castor? Oui, c'était des. Comment on appelle ça? Des croquettes. Je me prends pas la tête, moi je prends mon. Non, c'est pas ça, qu'est-ce que je fais moi? Mon arbalète là et. Suis-moi. Oh. Arrête de bouger. Stop! Arrête de.
J'ai plus de branchage, un Pégase. Donc du coup, j'en prends. Faut aller en chercher. Ah ouais. Voilà, ça c'est fait. Hop. On dirait du bambou, ça. Bon, je crois que j'ai semé le castor. Ou un arbre à banane. Ça me fait penser beaucoup aux arbres à banane. Ça, c'est noix de coco. Mais l'arbre que je viens d'abattre, c'était une sorte d'arbre banane. Tu sais, les feuilles plates, les grandes feuilles plates, c'est des bananiers, ça. Tout à fait. Bah, j'en ai abattu un. C'est ça que je me disais, ça me disait quelque chose. Bah oui, bah, bien sûr. Des bananiers. Non, bah ferme pas. J'ai pris le Baryonyx pour me défendre au cas où. Tu veux le prendre un petit peu, peut-être? Non, moi, je sais qui prendre, moi, t'inquiète. Ah, ouais, mais tu prends le boss. Ah bah ouais. Tu prends l'alpha. Oh, l'attaque. Un pépé. Un mon pépère. Allez, l'attaque, toi. Oh ouais, qu'il est beau. Ah, qu'il est beau. Qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau, le lavabo. Allez, viens. Tu me suis ou faut que je tape? Niveau 20, niveau 23. Non, je prends Belle-Butte, niveau 20, Belle-Butte. Ah, je l'adore, ce Baryonyx. Ouais, ferme la porte, ce vieux. Je t'ai fermé la porte au nez. Oh, oh non, mon cul. J'ai une des vieux. Oh là 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 là. C'est encore moi qui dis ouvre la porte et puis je lui ferme la porte au nez. Oh, le sac que je suis, quoi. Ah, ben maintenant tu peux fermer la porte si tu veux. Ah non. Il sera obligé d'y aller. Mais non, regarde. Hop. Voilà. Ah, déjà la nuit. Ah, on a passé déjà 2 jours dans le jeu, quoi. Ah. Ça cuit toujours là-bas? Oui. Il y a même des flammes qui sortent de la cheminée. Ah non, c'est le toit en train de brûler, tu sais. Ça cuit, ça cuit. Allez, moi je vais faire ce que j'avais dit de faire. C'est rien du tout. On voit plus rien. Si tu veux savoir. Gamma 3. Non, moi je mets 4. Moi je mets 3, ça suffit très bien. Je peux en mettre 8. Que ça? Que 8? Je peux pas mettre plus? Alors pour un bon éclairage, moi je dis gamma 4. On dirait que j'ai allumé la lumière de ma chambre. Paf. Voilà, comme ça on voit tout. Allez, je vais faire plein de structures. 18, allez, c'est parti. Les structures, s'il vous plaît, merci. Alors là, l'expérience qu'on fait, c'est la serre. Comme ça, nos aliments... salade, oignons, nos légumes vont pousser. Le salaud original. Bonsoir, original, et bienvenue avec The Death et Pégase sur Ark. Et pas n'importe lequel, je le répète. Oh putain. Non, 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 c'est pas ça, Pégase, la réponse. Merci, mon Spinozor, t'as un bon toutou, c'est bien. Continue comme ça. Impeccable. Bon, bah là, il y a une petite heure qui vient de passer. Même pas encore. Enfin, j'ai commencé avant, moi. J'ai commencé avant. Bon, ça va très bien, original, très bien, merci, je te remercie. On va très bien, ouais. Les structures, alors, on en est où dans les structures? Alors, pour dire, dans les structures en vert, on est dans les toits. Parce que là, on a 11 structures comme ça. Mais je pourrais en faire même encore plus, même, si je veux. Je viens de croiser un... Arbre de voler. À quoi? Un pélargonyx, un gros oiseau. Ah ouais, le truc avec le gros bec bizarre, là. Ouais. Il s'envole loin dans les cieux. Cet avancement, ce que ça donne, c'est que, original, là, on a été chercher du métal avec les oiseaux et le brontosaure. On n'a pas pu faire autrement. Donc ça, c'est fait. J'ai fait les toits. Et là, ce qu'il y a, c'est que... Déjà, le Baryonyx va bouger. Là, on va essayer de faire une serre, là, ici, au bord de l'eau. Pour que nos structures... Enfin, nos... On va mettre plus que ça de narco.
nos plantations puissent pousser plus vite et avoir plus d'eau. Voilà. Et là, pour l'instant, ce qu'on essaye de gérer, c'est aussi les plantations, mais aussi la merde, parce que bah, le trier, c'est pas si facile que ça, en fait. Ah, Boubou, tu déranges. Là, voilà, ça c'est fait. Ça, je l'ai mis là. Alors, moi, je vais commencer à faire une structure en verre, mais pour que ce soit avec le sol même, il faut que je pose les fondations. Donc là, c'est pour ça que j'ai refait des fondations. Mais sinon, ça avance. On a eu un petit désordre, un baryonyx qui nous a attaqué. Et il nous a cassé un mur juste dans l'angle de notre tour. Pégase s'est précipité, mais un petit peu trop, je trouve. Hein, Pégase? Ah, lui, je vais le bouger parce que lui, il va gêner. Allez. Le parasaur, je vais lui mettre son niveau tout de suite, tant qu'on y est. En vital. Ah, oh, y a pas beaucoup de vie comparé aux autres, lui. L'hydroponie? Qu'est-ce que t'appelles par un hydroponie? Un little pony? Alors, comment j'attaque ça, moi? Les chiens ne font pas des chats. Quelque chose comme ça. Les chiens ne font pas des chats. Et après, moi, faut que le tuyau passe encore à Pégase. Faut pas que je casse le tuyau, ça serait dommage. Le tuyau d'eau. Est-ce que ça va passer? Il faudrait que je voie pour poser une vitre. Ouais. Je comprends, oui. J'ai pas l'œil aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe. Ramasse la fondation. J'étais pas droit. Par contre, je suis désolé, je peux pas vérifier ton live. J'ai viens de perdre la wifi. Oh! D'accord, bon, ça arrive. Bah ouais, ton live, je suivais avec mon portable. Ah, oui! Et en ce moment, j'ai beaucoup trop de wifi, ça me pète Et un courant voilà d'eau. quoi. Un courant d'eau, tu veux dire un courant d'eau comme ça? N'importe lequel de courant d'eau, quoi, original. Chérie, allô, Oui, tout peut. je suis là. Alors. Ah, ça paraît pas, mais mettre des structures, c'est pas si simple. C'est stressant. Demandez à Pégase. De quoi c'est de ma Pégase? De mettre des structures. Pour toi, Ben c'est quoi? quoi? C'est la grosse galère, hein, dis-le. La structure ou sur la merde? Ah, j'aime pas ça moi. Les bacs comme ça aussi, on peut appeler ça du. De la péri. Non, comment on appelle ça? Ça a un nom. Structure Ces Twitch. personnes qui font des bacs, c'est. C'est quoi? L'hydroponie, tu dis que c'est de l'hydroponie? C'est un autre nom, moi je disais avec ma femme, mais c'est autre chose. Faudrait que je lui demande. À madame. Bon, on va commencer déjà. Oh, la serre va être petite. Hein. On peut faire plus grand, je pensais. Il y a tellement de plantes aussi dans ce jeu. Il y a les citrons. Il y a les plantes X et Y comme celle-là. En plus, elle nous donne des spécimens Y pour l'instant. On n'a pas le X. Mais normalement, le X et l'Y peuvent. Je crois que c'est. Ils peuvent donner une plante un peu spéciale et puis empoisonner les ennemis. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Oh, écoute, on en dit. Donc, ici, on en est où? De là à droite, à la porte là-bas, c'est ça? Ouais, la porte, on faudra la mettre ailleurs que là. Je vais remettre une de structure ici et on pourra commencer à. Je vais faire pour l'instant un grand rectangle au niveau de la structure là, pour être tranquille. Ça ressemble beaucoup. Ouais. Je regarderai sur Google, promis.
Bon, moi, je suis désolé. Original, je suis désolé parce que moi, j'ai plus de wifi, donc je peux pas voir ce que tu écris, comment tu te poses. Il a dit de regarder sur Google si c'était c'est dur à expliquer et pas facile à comprendre. Faut regarder les photos en fait des structures comme ça en verre qu'on est en train de faire avec Ouais. nos cultures, nos carrés de culture. C'est pour D'accord. ça. Donc du coup, voilà. J'attends de voir que l'ordre de ma femme puisse fonctionner et répondre moi aussi à vos questions. Moi, à tes questions. Tu peux commencer à mettre des murs en verre, Pégase. Et si je veux pas? Bah, c'est ton serveur, après tu fais ce que tu veux. Moi, je suis au boulot, là, tu vois, je travaille. Durement. Dur. Pour une fois que tu travailles, eh ben dis donc, ça fait plaisir, Oh, hein. comment ça parle mal. Ah, ça. Ah, bah, je suis même pas vexé, tu vois. Venant de toi, franchement. Voilà. les murs sont où ces murs encore? Ils sont là. Pour l'instant, je peux t'en faire que trois. Ah bah il y en avait déjà, hein. Il y en avait déjà, hein. Il y en avait 11 je crois. 14. Ah maintenant oui, 14 vu que tu rajoutes 3. Il manque un petit peu de métal, mais Ça cuit, t'inquiète. bon, pour l'instant la serre va servir pour nos cultures. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut faire une serre aussi pour les ptéranodons. Pour qu'ils puissent s'accoupler et qu'ils puissent faire leur vie aussi, parce que les voir comme ça, moi ça m'attriste. Ils sont là, assis, ils nous attendent. La fondation que t'as mise, elle est pas bonne. Il Le t'a, verre il ne a faut dit pas pas grave cuire. pour le chat original, c'est pas grave. Voilà. Moi ça m'aurait pas plu. Mais oui, Voilà. original, c'est tout à fait comme ça. Le test. Oui. Oui. À mes pieds. Ah ouais, c'est bon, j'ai récupéré. 14 murs. Peux-tu me refaire quelques structures comme ça en bois, s'il te plaît? Pour dire de le terminer. Parce que là, il reste juste un bout à faire. En fait, j'ai demandé de faire midi ce matin. Ah merde. Alors, non. Et ça fonctionne pas! Mais non, on tape sur le bois. Ça, c'est le fail. Moi, je pensais que les structures pouvaient être comme une fondation. Bah ouais, mais bon. Attends, je crois que j'ai une idée. Il faut poser d'abord un mur. Bah mince. Parce que là, il veut se poser. Ah non, il veut pas, il veut pas, il veut pas. C'est pas fait pour. Bon, c'est pas fait pour. Bon, bah, fake. Le problème, c'est qu'il faut faire des soubassements apparemment de maison. Bon bah, ça m'embête beaucoup, j'aurais pas voulu faire comme ça. Qu'est-ce t'en dis toi? On a perdu Pégase. Ah non, tu l'as. J'étais sur l'ordi à ma femme genre, pour lancer le live. Pour regarder et répondre aux questions de original. Mais problème, fondation, je crois que mettre une fondation en verre, hein, pas en bois. Ah, c'est une fondation en verre ou en, non, en pierre peut-être. Pas bah, genre ça dans l'atelier. Oh là 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 là. Les fondations en verre n'existent pas, Pégase. En pierre, je veux bien, mais en verre quand même. En verre En alors. pierre, j'ai. Ils disent cette Alors. petite fondation résiste et est utilisée pour les constructions d'enclos. Mais moi, je pensais que ça se posait. 15 pierres et il me manque du bois. On va faire quelque chose comme ça. Peut-être les murs, attends, les murs en verre sur une fondation, peut-être. Bah c'est ce que je te disais, une fondation. Il faut une Je veux fondation. dire, non mais je veux dire, fondation comme le sol de la maison. Ouais, une fondation en bois, une fondation rigide. Mais moi je pensais que ça marchait avec les fondations normales, là, les fondations de murs, comme on a fait. Mais non, pas du tout. Et là, si je fais ça, ces CDI, là il est vert. Donc ouais, il faut une fondation. Comme on a dit, on peut faire même un balcon si on veut, tu vois, en verre. Non, original, c'est pas ta faute, t'inquiète, hein, l'un de là.
Ce soir, ma femme s'en sert pas le PC, donc t'inquiète, c'est pas de ta faute. Hein. Pauvre femme, plus de PC à cause de moi. T'as vu, t'arrives à peine original, paf, y a plus de Pégase. Mais non, c'est pas de ta faute. Mais ouais, tu dis ça. De mon Wi-Fi. Je prends ma Freebox et la foutre en l'air. Alors, je vais reposer tout ça parce que j'ai risque d'être énormément lourd. Et je vais refaire la même chose, mais avec des fondations, du coup. Donc, faire des fondations en bois, alors. En pierre. Ah, carrément, des fondations en pierre, ouais, ça ferait plus propre, hein. On est d'accord, hein. Ouais. Mais des pierres, on n'a pas énorme. Pierre, il y en a dans le brontosaure. Pierre, c'est aussi un prénom. C'est nul. Ah, faut que je dorme. La fatigue fait des choses terribles. Mais faut dormir le soir, faut pas jouer à ton corps. Mais je joue à touche pipi. Mais c'est pas bien. Et que veux-tu, le touche pipi, c'est bon le touche pipi. Oui, mais bon, après c'est comme tout bois, ça durcit, hein. Ah, mon corps a du mal à se déplacer. Je peux faire qu'une seule structure. Oh non. Oh non. Ça va être trop cher, Pégase, ça va coûter trop cher. Non, mais ça va être propre. Moi, je dis, ça va être propre, tout ça. Une seule structure, voilà. Alors, tu te feras pardonner ce soir, Pégase. Tu te feras pardonner ce soir. C'est ce qu'il dit, original. Peut-être pas sûr, on verra. Ça est sage. Ah là là, si elle est sage. Ah là 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 là. Alors, j'ai mon pépère, il est en train de mourir. Je surveille même plus le niveau de ma nourriture et tout ça, quoi. Oh là là là, comment que je suis. Alors, inventaire, s'il vous plaît. Placer. Wouah, ça fait haut. Wouah. Alors, je vais essayer de placer ça à la même hauteur que la même enseigne que ce que j'ai fait. Ça veut dire à la même hauteur que les structures en bois. Fondation en pierre. Paf. Bon, ça donnerait ça. Fondation, je vais le détruire. Ouais, c'est pas trop, je pense. Alors, demande à France si elle arriverait à te pardonner. Oui, de toute façon, elle est pas là à l'occuper. Ah, j'arrive même plus. Il arrive plus. Allez là, tu me pardonnes, chérie, de prendre ton PC pour mon chat. J'y vais pas. Bah, toi, elle va pas, donc c'est impeccable. Bisous, France. Bisous, la place de Death, bisous. Demain, ma petite famille, pareil. Et gros bisous à la famille. Alors, c'est drôle, hein, dans original, hein. C'est drôle parce que nous, on est du nord, hein, nord de la France, eux sont du sud. Exactement de 7. Ouais, tiens, cadeau. Dans le 34. Tiens, raconte-nous notre rencontre, Pégase. Ça fera plaisir à original, je suis sûr. En fait, il s'en fout, original. Ah non, c'est pas des fondations comme ça. Oh bah gars, je suis en train de mourir en même temps. Non, alors, tu t'es trompé, c'est bon. ça le truc en pierre. Parce que les fondations en comme ça fonctionne pas, je crois. Ah. Attends, je vais essayer quand même, attends, on va essayer. On va tester tout ça. J'ai rencontré notre rencontre momo sensuel. Ah oui, d'accord, pardon, excuse-moi. Alors, ma rencontre avec The Death... J'étais sur YouTube, je regardais ces vidéos comme par hasard Minecraft, Attack of the Team. Je lui ai demandé comment elle a eu, comment elle a fait faire pour l'installer, tout ce qu'au début je connaissais rien du tout dans les jeux. Donc il m'a expliqué. Une vraie merde. Il m'a expliqué par MP, message. Un ou deux mois après, je lui ai demandé s'il y avait moyen. De tchétché. C'est dans leur partie, dans leur jeu, quoi, dans leur vie. Au début, non, elle n'a pas trop voulu. À force d'insister un petit peu, l'accepter. Et nous avons tourné notre première vidéo ensemble sur Attack of the Team
l'épisode 50, le titre c'était l'indigène. C'est ça, et je le regrette toujours. Et depuis, on s'est plus quitté. Et depuis, on se taquine, on se lance des vannes. Ah bah oui, toujours maintenant. Depuis le temps, ça fait maintenant 6 ans qu'on joue ensemble. C'est ça, quand j'ai commencé ma première chaîne YouTube, Turtleman. Turtleman 1988 TM. C'est ça, c'était comme ça que j'avais indiqué, mais c'est parce que le nom était déjà pris quelque part. Mais je pense que c'était l'émission américaine, tu sais, Turtleman. Je sais pas si tu connais. Non, pas du tout, non. Alors du coup, après, moi, pour mon nom, sur le coup, je l'ai pas changé tout de suite. Hein. C'est resté comme ça, je crois, 4 ou 5 ans. À peu près dans ces eaux-là, ouais. Dans ces eaux-là. Et moi, après avoir connu Pégase et Darkneck, moi, j'ai changé de nom, j'ai changé de pseudo, et puis j'ai changé de chaîne aussi, parce que, bon, bah, j'ai fait des bêtises sur mon ancienne chaîne YouTube. Et je l'ai regretté. Par rapport à Taps. C'est ça, ouais, mais après c'était copyright, donc du coup, ouais, j'ai fait le con, puis je l'ai reconnu. Après, tu peux pas savoir non plus, hein. C'est au début, hein. C'est ouais, bah, je partageais des vidéos de passion que j'avais, hein, le paranormal et tout ça, puis bah. YouTube m'a mis un avertissement, un deuxième, et puis bah, j'ai dit, de toute façon, ça. Les gens, je leur ai dit, bon, bah, la chaîne risque d'être bloquée, donc je vais arrêter Taps. J'avais à peu près 1500 personnes qui me suivaient. Oui, même un peu plus, je pense. Ouais, je suis désolé Pégase, mais les structures fonctionnent pas, hein. Les constructions fondations. Donc revenons à nos moutons. Donc après j'ai réfléchi, j'ai attendu quand même, je crois c'est 6 ou 7 mois avant de refaire une chaîne. Donc j'ai supprimé l'ancienne chaîne, j'avais toutes mes vidéos dedans, puis c'était pas ce que je voulais faire. J'avoue, c'était pas ce que je voulais faire. Et là je prends grand plaisir, c'est que j'ai refait mon pseudo, j'ai refait plein de jeux, des séries, à la Lego, et puis voilà. Non, j'ai pas changé de cerveau. Non, j'ai pas changé de cerveau. Justement, hier soir, j'ai commandé un sur CD Scoot en 4 fois sans frais. Donc t'inquiète pas, il aura un tout neuf bientôt. Ouais. Un tout nouveau cerveau. Un tout neuf. Là, Pégase, on peut commencer à faire les fondations directement sur le sol. Alors, je suis désolé. Les fondations, c'était où là, on n'a pas de pierre du tout, hein. J'ai regardé, on en a pas. Je vais voir là. Non, j'ai que des pierres. Le brontosaur, je l'ai vidé. Ah, le brontosaur, c'est lui qui en avait le plus. Ouais, mais bah, tu vois, j'ai fait une corne, donc il y a plus de pierres. Faudra aller en chercher, quoi. Ouais. Bon, je vais poser les structures en verre. Il faudra peut-être détruire toutes nos structures en bois qui sont juste là-bas. Pégase, en attendant, tu peux ramasser tous les graines et tout. Ça ira. Moi, je vais chercher un petit peu de pierres là. Tu veux quoi, casser les plantations? Non. Ah si, bah si, bah, de toute façon tout ça, ça va être la serre. Et on pourra pas poser les structures en pierre si tu fais pas ça. Ok, bah écoute, tu récupères tout ce qu'il y a récupéré. Voilà, je vais prendre... je suis bête, j'aurais dû prendre le brontosaure, ça irait 10 fois mieux pour prendre de la pierre. Alors chaque dino a sa particularité, hein, Pégase, tu te rappelles? Chaque dino peut prendre quelque chose en tapant ou en frappant. Oui, alors les tressés, ça prend du bois et du branchage. Les parosaures, c'est plutôt la fibre et les baies. Les baryonyx, ça passe. Plus, mais... Ça nous sert de remords. En gros, on va dire ça, ouais. Les baryonyx et tout ça, ouais, ça nous sert de remorque. Bah, maintenant on a le brontosaure, c'est encore mieux. Alors, ça va faire mal là. Oh ! Ah, ouais, ça c'était même sûr. Même la plante, vous pouvez enlever la plante ? La grosse plante ? Oui, la grosse plante, tu peux l'enlever, oui. Oh, elle est tellement si belle. Elle est énorme. Ouais. Problème, c'est que ma hache elle est quasiment terminée. Est-ce que tu as une hache, Pégase? Ou est-ce que tu peux m'en faire une? Ben, même pas la mienne si tu veux. Ah, ouais, mais faut que je passe l'autre côté, la petite porte. On n'a pas de petite porte par ici, non? Sur le côté? Non, faudrait penser à faire une autre porte géante. Il faut que je fasse le tour.
Allez, hop. Vas-y, donne-moi ta hache, s'il te plaît. C'est où ? Ah. Par contre, honnêtement, ça me fait chier de... comment dire ? Tiens, je te donne de la pierre. Qu'est-ce qu'il y a qui te fait chier ? Dis-moi, raconte. Mais de détruire ça, là, le... La plante ? Non, le composteur. Bah, refais-en deux, trois, mets-les de côté. De toute façon, on va refaire les... On va tout refaire. Ce côté-là, on va tout refaire. T'en fais pas. C'est prévu. Ouais, bah, attends, il fallait qu'on fasse la serre, de toute façon, pour que les... Les choses poussent plus vite. Les choses. Les légumes. Voilà, bah, du coup, j'ai récupéré... J'ai tout détruit. Je vais tout mettre ça dans un coffre pour l'instant. La merde et tout, là. Vas-y. Fais ça. Moi, je m'occupe de les graines, je remets sur les graines. Alors là, c'est la pierre et la pioche, c'est le silex. Je martèle. Eh, c'est cher hein, pour une seule fondation de sol. C'est 80 pierres. Ben là, sûrement, j'arrange 150 pierres dans un coffre. 150 plus ce que je viens de poser. Putain, je range tout là, tout mon bazar. Ah! Ah, ça c'était ouais. C'était le mien, c'était ma hache, pardon. J'ai été saisi, bah après, je croyais que c'était sa hache à Pégase, mais non, c'est la mienne qui a lâché. Après, toi, original, si tu veux voir mon point de vue sur YouTube. Pégase, note-le dans le chat, sinon c'est Pégase 340. 340 ? Ouais. Attends, je vais sur le chat. Je vais marquer pour la chaîne de Pégase. Celui qui veut, c'est Pégase 340 pour avoir la vue. Et puis moi, bah vous savez. Hein. Zodas, c'est le même. Ah. Mais il y a sauf le 88. Moi, j'ai pas de 88 à la fin. par contre, Pégase, y a pas d'accent, hein. Ah, y'a pas d'accent. Bah bon, bah c'est P-E. Pégu. Et au pire, si tu veux, tu peux rajouter le lien de ma chaîne. Ah, faut que je vais sur le... Ouais, faut que je vais... Attendez, hein, les amis. Je vais prendre le lien de Pégase. Oh, tu peux faire après, hein, au pire. Bah, on est en live et tout. Et puis, on est en train de papoter. On se partage les chaînes et tout. On s'en fout. Alors, le Pégase, il est où? Donc tout ça. Après, pour être honnête, c'est vrai que en ce moment, je poste pas beaucoup de vidéos, mais là, les lives ont repris avec mon petit Zodes, donc j'en postais pas mal. Ah, surtout ta dernière, là, d'une heure et demie, j'ai recommencé à regarder là aussi un petit peu, parce que moi, j'ai pas ton point de vue. Pégase, bah dis donc, je te trouve plus. Bah mince, mercredi. Allez, Darkneck. Lui, c'est pas la peine. Lui, il est arrêté, je crois. Oui, il tombe plus, lui. Pégase 340, j'ai. Ah, bon, ok. Hop. Ça, je vous envoie ça direct. Vous avez vu à quoi je tourne. C'est la chaîne de Pégase. Celui qui veut voir sa vue. Et aussi, tu as... Vas-y, raconte un petit peu ta chaîne, tiens. Bon, ma chaîne, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est juste, il y a pas mal de jeux sur l'horreur. Bon, j'ai fini il n'y a pas longtemps Alien Isolation. Pour être honnête, j'ai mis à peu près un an ou deux pour finir le jeu. Parce que, bon, j'ai une famille, j'ai des enfants, donc tourner avec eux à côté, c'est pas évident. Donc, je tournais quand ils sont à l'école. Les vacances, ben c'était vacances, je faisais pas de vidéo, pas bien s'occuper d'eux, donc voilà quoi. C'est normal, c'est la vie de famille en priorité. Oui, après j'ai quoi d'autre comme jeu dessus. Ah ouais, ben oui, mais original, attends, si tu cherches sur Twitch, ben non, c'est YouTube. il y a la chaîne, clique sur le lien qui est dans le chat. Et surtout n'hésitez pas à partager les amis, ça fait toujours plaisir de se partager tous des vidéos comme ça.
Après, il y a, ouais, y a l'insulation, il y a Resident Evil 7. Que t'as pas encore terminé. Et normalement, ouais, t'avais aussi commencé une fois, mais tu l'as perdu, hein, je pense, ta sauvegarde. C'était ouais, Resident Evil 4. Ouais, tout à fait, remasterisé en plus. Remasterisé, Resident Evil 4. Ah ouais, c'est cool. Celui-là, franchement, c'est quand ils l'ont sorti. C'était la reprise de Resident Evil. Ouais. Oh, oui, soit qu'il est pas mal, il est plus réaliste, beaucoup de sang, un peu que je régale quoi. Un peu tout comme jeu. Là, je vais reprendre. C'est bon, Original, c'est abonné à ta chaîne. Je te remercie, Original. Là, dans peu de temps, je reprendrai la suite de Resident Evil 7. Une fois que c'est fait, confirmé, je désinstallerai, je ferai d'autres jeux. Il y a aussi, je crois, une de vidéos de GTA qu'on avait fait aussi. On a fait des lives ensemble, oui, on a fait aussi sur Rocket. Je sais pas si t'as enregistré, ouais. Après ça, je sais Rocket, pas du tout. Rocket League, si, j'avais enregistré. D'accord. Ah, mais par contre, je me rappelle sur GTA, c'est les photos qu'on avait fait quand t'étais mis en petite tenue. Ah, oui. Ça, ah, je l'ai vu tout à l'heure. Tu les as encore, celle-là? Ah, ben, c'est sous ma chaîne encore, hein. D'accord. j'ai rien viré, hein. Il y a même une vidéo de moi qui fait le con. Ah, ça. Je sais pas si tu l'as vu, celle-là. Si, tu danses, je crois. Ouais. C'était un jour de fête, c'était quoi? C'était un délire, je crois. Oui, c'était un délire, j'ai bien dormi. Oh, t'as bien dormi, t'as bien bu surtout. Comment qu'il est, lui, j'ai bien dormi. Bu, non, mais dormi, ouais. Il était en mode fête. Ouais, j'ai pété un câble ce jour-là. Il aime YouTube, alors du coup il s'est dit, allez, je vais faire le fou. Il y en a qui font bien le con, comme Rémi Gaillard. Je dis, pourquoi pas faire comme lui, allez hop. Bah, Rémi Gaillard, c'est bien ce qu'il dit, hein. Il suffit d'être... Ça faisait n'importe quoi qu'on devienne n'importe qui. Bah, voilà, tu m'as coupé la parole, tu vois. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devienne n'importe qui. Et moi, sur ma vidéo, j'ai écrit, le ridicule ne tue pas. Ah non. Non. Moi je le suis tous les jours et j'assume. C'est bon, Pégase, alors on peut faire pas mal de petites structures là. Allez, c'est parti, tu viens avec moi là, petit Bronto. Demi-tour. J'ai pris faire une autre vidéo, mais là c'est un peu chaud. Faut que ma femme me suive aussi. C'est faire le con à Auchan. Oh là non, moi je te le conseille pas de commencer des choses comme ça, Pégase. Après tu vas avoir des ennuis. On va voir Pégase en prison après en live. Du coup, tu vois, danser, interpeller un salarié qui est déconneur, de faire danser avec moi, comme ça quoi. N'oublie pas que les vidéos sont interdites dans les magasins. Ouais, on peut nous casser les pieds, YouTube, hein. Ah non, pas YouTube. C'est pas YouTube, c'est le magasin même qui interdit les vidéos comme ça. Tu peux pas te permettre de filmer comme ça dans un magasin, surtout Auchan. Ouais, je m'arrangerai avec eux. Oulala, tu sais, c'est quelque chose. Hein. Tu dois payer, tu sais. Tu vas arriver, tu vas taxer 100€ pour dire d'avoir une petite vidéo d'une minute. Ouais, voilà. Normalement, j'ai ce qu'il me faut pour faire la structure en pierre. Elle est où, la structure pierre? Pierre, feuille, ciseaux. Alors, il me faut encore 42 bois. Et toi, Original, t'as un PC? Il l'a récupéré tout juste. Ça, je l'ai su récemment. Ah, et bah, il joue cool. À Conquerette ou je sais plus trop quoi. Oula, je suis presque, hein, j'y suis presque. Je le vois souvent y jouer sur Steam. J'y suis pas du tout, en fait. Original a repris son PC. Puis ça fait un moment en plus qu'il m'en a parlé. Ça serait bien qu'un jour aussi qu'on fasse un petit jeu avec nos abonnés. Mais il nous attend toujours pour faire Rocket League, hein, il me l'a dit. Ah bah ça avec plaisir. Mais il faut qu'il prenne Discord. Je crois qu'il l'a, mais sur portable. Ah. Bon, après il pourra l'accéder sur son PC. Oui. C'est pas lourd, c'est gratuit.
T'es très peu jeux d'horreur. Bah écoute, pour l'instant, les jeux d'horreur, on n'en a pas encore en vue pour le multijoueur. On a The Forest. Ouais, The Forest. The Forest, qui est un jeu d'aventure monde ouvert. On va dire un petit peu, il y a des indigènes que tu dois éviter. Et toi, tu es un survivant, tu t'es écrasé en avion. J'ai écrasé un avion et t'as un indigène qui t'enlève, je crois que c'est ton fils ou ton neveu. Et tu dois parcourir des grottes, des forêts pour le retrouver. C'est ça, tu dois retourner ciels et terres pour retrouver ton enfant, on va dire. Hein. Billy Billy, reste avec nous. Billy s'est sauvé. Il dit non, j'aime plus mes parents. Je me casse. Voilà, j'ai mis les pavés, Pégase. Les pavés. Est-ce que je peux encore en faire des pavés? Sur Xbox? Sur tel, c'est mieux pour moi quand je suis sur Xbox, oui, ça c'est vrai. Il a chopé GTA 5. Oh. Il a chopé GTA, Pégase. C'est bon à savoir, ça, original. C'est bon à savoir. The Death original. Conqueror Blaze, ouais. Valorant. Qu'est-ce qu'il y a, Pégase? Je vais être obligé de vous laisser, de quitter. D'accord, il n'y a pas de souci. Moi, je vais continuer le live. Je vais être avec... Je suis vraiment désolé. D'accord. J'ai ma femme qui a son frère qui vient à la maison au bout de 7 ans d'absence, donc c'est des retrouvailles, donc j'ai trouvé de vous quitter, quoi. T'as pas d'explication à faire, si t'as des retrouvailles, vas-y. Y'a pas de soucis, moi je termine là-dessus de toute façon, je vais faire ce que j'ai à faire avec les structures en pierre et ce que j'ai dit que j'allais faire, et puis après je vais quitter les abonnés à midi. Comme d'habitude, t'en fais pas. Alors, mais, et à vous mes abonnés YouTube et original aussi. Maintenant, n'hésitez pas à partager mes vidéos, liker et vous abonner, même si c'est déjà fait. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard. A plus, mon pépère. Allez, à la prochaine. Gros bisous. Gros bisous. À la prochaine. François, toi qui dis original. Ok, merci, toi aussi. Et le allez zou. Allez, zou. Bisous. Bisous, allez. Ouais. Allez, peut-être à tout à l'heure si on se croise. Ah, j'aurai la paix. Enfoiré. Allez, bisous ma poule. Allez, bisous. Bisous. Voilà. L'abandon de notre Pégase. Ah, il nous abandonne. Bon, c'est pas grave. On est toujours dans l'aventure. On n'a pas fini avec cette structure que je veux faire, moi. On continue. Allez. Gardons la motivation. Même si j'ai envie de chialer. Ah, je suis trop lourd. Alors. Alors, pour petite anecdote originale, j'ai mon processeur qui commence à rendre l'âme. Et forcément, ça prend sur les jeux. Et malheureusement, j'ai eu un début de live un petit peu incorrect, on va dire. J'ai eu du mal à démarrer le jeu. Surtout, il commençait à me lâcher. Que je peux en faire 2 au moins 3 ou 4 5 4, c'est déjà pas mal. Pauvre gosse, ça se traduit comment tu sais qu'il rend l'âme? Comment qu'il rend l'âme? J'ai demandé à Darknet, il a eu le coup. C'est qu'en fait, il chauffe beaucoup, donc il se met à 100%, alors que d'habitude, quand je fais des lives et quand je joue à ce jeu Arc, il ne frise pas, en fait. Les images ne font pas d'arrêt sur image. Et j'ai eu hier, par exemple, sur Assassin's Creed Origins, j'ai joué pendant une heure, et pendant ces une heure, toutes les, même pas une minute ou deux, j'avais des arrêts sur image.
Alors que j'étais avec un boss et tout, alors je t'imagine même pas la galère pour faire le jeu, quoi. Alors du coup j'ai regardé dans les paramètres de mon PC et apparemment c'était ça. Le PC rend l'âme. Après, il faut dire que mon processeur c'est un i5 4440, un 3,6 MHz je crois, mais ça fait quand même ouais, plus de 6 ans que je l'ai maintenant et j'ai déjà changé 3-4 fois la pâte thermique. Et là, j'avoue, là, même si hier j'ai donné un petit coup de bombe, il n'y a rien qui faisait. Ah non, 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 la carte graphique, elle est toute neuve, hein. Il n'y a rien du tout sur la carte graphique, hein. La carte graphique, c'est une 1050 Ti et normalement, il doit gérer le jeu impeccablement, hein. Moi, je sens là le jeu qui est en train de chauffer à mort, là. Et quand j'ai regardé mon processeur, il est à 100%. Donc non, c'est pas la carte graphique parce que la carte graphique elle tient. Ouais, la pâte thermique, je la change pas assez souvent, je trouve. Moi, dernièrement, la pâte thermique, je l'ai changée l'année dernière à mon anniversaire, après mon anniversaire quand j'ai reçu mon water cooling. Là, tu imagines, il y a quand même un peu plus de 10 mois. Non, c'est pas le ventirad d'origine. C'est un water cooling que j'ai eu pour mon anniversaire. Et même avec le water cooling, je pense que là, quand on voit le résultat au niveau des graphiques, pardon, au niveau de comment qui chauffe le processeur, de ce qu'il donne au niveau des calculs, c'était pas bon. Hier, j'ai regardé, c'était vraiment pas bon. Là, pour l'instant, il tient. Mais pour te dire, regarde un petit peu les options. Je suis au niveau graphisme, je suis au plus bas alors que j'ai une carte graphique de malade. Une 1050 Ti tient arc normalement tout seul. Je suis en mode élevé, même en mode élevé, tu vois. J'ai dû même descendre l'anti-chronelage alors que même lui tenait. Et là, si je l'augmente, c'est foutu. C'est foutu, foutu. Oui, carte mère, processeur et j'ai pris aussi de RAM en plus. J'ai 16 Go de RAM qui vont arriver. Et là, j'ai commandé du coup. Ça devrait arriver dans la semaine qui vient. Je t'avoue que je suis un petit peu. Je suis un petit peu deg. Ouais. J'avoue que là-dessus. Bon, là, je vais poser les structures parce que je tourne en rond. J'ai pas encore posé les structures. J'ai les structures encore en verre à poser aussi. Est-ce que ça va passer avec le. Ouais, ça passe. Ça passe. Je pourrais peut-être casser ça et le remettre après. Bon, après, j'ai passé hier tout mon après-midi en compagnie de Darknec. Non, ça range pas le stream. J'avoue, le stream peut faire chauffer aussi le pros parce que les calculs sont énormes au niveau du stream, ouais. Mais bon, je m'y attendais, hein. Le processeur, de toute façon, il est déjà en train de donner des signes de faiblesse, déjà, c'était en début d'année. Oh, il s'est mis sur la table, lui, regardez ça. Oh. Mort sur la table. Qu'est-ce qui me manquait, moi? Ah ouais, je vais commencer à mettre les structures en verre. Tu vois, déjà là. Rien qu'en allant dans l'atelier, j'ai vu qu'il a mis à peu près 2 secondes, voire 3, avant de l'ouvrir. Alors que d'habitude, quand le stream ne va pas et que je suis juste en jeu vidéo, sans enregistrer, ça passe tout seul. Là, il a. Puis même au niveau de l'image, tu dois le voir, je pense, au niveau de l'image, il y a une légère saccade. Non, non, c'est pas la pierre que je vais poser. C'est ça. Là, ça fonctionne. Là, on est d'accord, ça fonctionne. Alors, c'est eux, je crois, pour eux. Ah, comment on fait? Si je me trompe, est-ce que je peux le reprendre? Oui. Là, c'est bon? Oui. Puis même au niveau graphisme, normalement, c'est plus propre que ça. J'ai fait des lives plus propres que ça, mais là, j'ai dû vraiment descendre ma qualité. Parce que. Puis là, ça fonctionne un peu mieux, quoi.
C'est pas encore tout à fait ça, mais c'est mieux. Ah, après, ça va bien donner cette structure là en vert. Alors, sur processeur, c'est AMD, je crois. Je t'enverrai ça. Je peux même te l'envoyer, je crois. Je vais regarder un petit peu. Désolé, je mets sur pause. Je pense que je peux te l'envoyer ce que j'ai commandé hier. Alors, bibliothèque. Historique. Historique. Affiché historique. D'hier. Et j'ai été sur matériel.net. Alors, je vais te le dire oralement, peut-être, ça serait peut-être mieux. Si j'arrive à voir. Tant que le son est bon, je ne peux pas avoir une image parfaite. T'as pas l'image parfaite, tu veux dire par quoi? L'image parfaite? Connexion. Est-ce qu'il va le vouloir? Il le veut. C'est mon panier ou magasin? Je sais même plus. Compte. Alors, ma commande a été validée. Donc, je vais recevoir un AMD Ryzen 5 3600 avec la carte mère, c'est Gigabit B450 Gaming. Et j'ai pris 16 Go de RAM en plus avec 3600 MHz. Et normalement, le Ryzen. Le Giga. Non, c'est le Ryzen ou. Ouais, le Ryzen 5, il est en 3,6. Mais il peut monter jusqu'à 4, MHz. Voilà. Donc, c'est un pack que j'ai pris directement chez Matériel B. Net. B. Ça va plus, moi. Voilà. Alors. Donc là, je vais encore agrandir un peu. Est-ce que ça passe? Ça passe, ça passe. Je pensais que ça passait pas avec ce tuyau, mais ça passe. Ça passe. Impeccable. Est-ce que je le fais plus grand ou pas? Non, je pense pas. Là, déjà, c'est pas mal. Surtout là, la face. Mais je vais le mettre là sur le côté. Et les tuyaux, je vais les séparer. Ouais, on y est. On y approche. J'y arrive. Je m'en sors. Non, j'en aurais pas assez. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Une, deux. Aïe, aïe. Ça va être juste. Est-ce que je peux ou pas? Je pense pas. Deux, peut-être. Ah, c'est impeccable. Encore un, peut-être. Qu'est-ce que j'ai mis? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, je peux plus. Je ne peux plus. Ah, tu préfères avoir le son que avoir une superbe image? Bah écoute, si je peux avoir les deux, franchement, moi ça m'arrangerait. Si je peux avoir une superbe image et un super son, si je peux avoir les deux en sachant que maintenant j'ai la fibre, je pourrais en profiter de pas de saccade et puis que je puisse faire une vidéo cordialement pour tout le monde, quoi, comme ça au moins on est réglé. Parce que j'avoue que quand j'avais fait tout début mes vidéos avec mon PC, j'avais vu la différence avec ma carte graphique avant et celle actuelle au niveau graphisme. Mais là, c'est le pros qui me lâche. Donc, ça se voit tout de suite quand tu commences à comprendre c'est quoi qui lâche. La carte graphique, elle lâchait pas, mais elle donnait un petit peu de fatigue. On voyait que il y avait des ralentissements au niveau du game. L'image a été plus propre. Donc, j'ai dit, bon, bah j'ai changé la carte graphique. J'ai plus de pierre, je crois. Non, j'ai plus de pierre. J'ai pas besoin d'un gros dinosaure hein, pour la pierre. J'en ai pas sur ma plage, moi, de la pierre. Je pensais en avoir. Bon, allez, on va rechercher de la pierre avec le bon retour. Mais c'est tout à fait... compréhensible que si t'as le son, c'est bien. Même si l'image, il y a des saccades, tu m'entends toujours.
Mais là, je pense que là, le processeur, il souffre à mort. Là, il est au bout de ses forces. Ah, il passe pas? Non. Ah, il passe plus. Et là, il glisse, tout seul. Ah, il veut pas du tout. J'ai bloqué le brontosaure? Ah non, bah c'est bon. Il est pas bloqué. Ah, il a du mal. Eh ben, dis donc. Oula, oula. Ce que je disais vient de se faire, là. Original. Oula, oula, oula. C'est que... Oui, je travaille bien, Pégase, t'en fais pas. Mon live est impeccable. Quand il lâche pas. Je vais me mettre tout près d'une patte du brontosaure pour faire ça. Ça, si je suis plein, j'ai juste à lui donner. Et puis de toute façon, ça fait un moment que j'en parlais pour le pros. Je voulais l'améliorer, le PC. Parce que je voulais jouer à un jeu, je t'avoue. Et le jeu lui-même ne tenait pas. Et j'ai vu donc pourtant le minimum requis c'était un i5, mais c'était un peu plus fort que le mien. Donc c'était un i5, je crois que c'était 7000 ou quelque chose comme ça. Alors sur le coup je pensais qu'il passait, mais même le minimum requis ne passait pas. Tout fonctionne sauf ça, quoi. Sauf le processeur. Donc je me suis dit, bon bah, quitte à... Moi qui me prends jamais de PlayStation ni d'Xbox One, je me suis dit, je vais me faire plaisir, je vais refaire ma configuration. Ça fait quand même 7 ans que je l'ai. J'ai un remerciement. J'ai eu un remerciement sur l'écran, ça a passé vite fait. De la team... que je me suis inscrit hier en plus. Oh. Allez. L'aventure n'est pas finie, les amis. On est en structure encore. Je vais faire ça directement dessus, tiens. Je crois que j'en ai encore 2 ou 3 à faire. Avant de reposer les dernières vitres. Voilà, je peux en faire un. Normalement, c'est un overclocké. Parce que... Non, je pense pas que c'est un overclocké. Il n'y a qu'un slot pour la carte graphique, je crois. Je crois que il n'y a qu'un slot pour la carte graphique. J'avais vérifié. C'est une bonne question, faudra que je regarde encore un peu plus près, mais tu sais, overclocké, j'en ai pas forcément besoin. Après, si je peux racheter une carte graphique derrière, ça me gêne pas. L'augmenter overclocké, non. C'est vrai que ça, c'est un avantage. L'avantage d'augmenter, booster la performance. Bah, en fait, il y a un turbo déjà dessus. Ah, sur l'actuel, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. L'actuel, non, il est complètement hors service. Il date, mon processeur, il date de 2013. Pour vous dire un petit peu le topo. Il est de 2013. C'était le i5 4440 à 3,2 ou 4. Gigahertz. Et il est de 2013. J'ai regardé encore hier. Mais sur le nouveau, normalement il y a un booster dedans. Enfin, moi on m'a dit qu'il y avait un turbo. Darknet m'a dit il y a un turbo.
Donc de 3,6 il peut passer ou quelque chose comme ça à 4,2. Ah, je suis bloqué. Zut. Ah, c'est bon, ça passe. Ah, il a du mal à tourner lui. Et moi, je suis plein, super. Bah oui, c'est sûr que là. Est-ce que je peux ou pas faire une. Ah, j'en ai 4 sur moi déjà, c'est pour ça que je suis plein, tu m'étonnes. J'en avais fait 4. Ah, c'est sur 3 ou 4, j'avais fait 3. Ouais, 3. Hop. Oui, oui. Ah, tu vois, comme là maintenant, là j'ai eu une coupure. Encore une seule, encore une fois. C'est gênant, j'avoue que même pour les streams, ou même pour les jeux lui-même, Assassin's Creed Origins, j'étais dégoûté hier. En pleine mission, paf. Plus d'écran. Tout était figé. Pourtant, le graphisme du jeu lui-même d'Assassin's Creed, il est très propre. Et il passait, il y a même pas une semaine sur mon PC, tout seul. Il se promenait en fait, hein. Il partait de mon PC, il s'en allait. Il était déjà en aventure lui. Il était en aventure. Bon alors c'est bon, hein, Pégase, toi qui suis, je pense, le live. Il dit je reviens, mais lui il le suit. Je pense que c'est bon. On peut encore rajouter peut-être une structure en plus. Je vais le poser la dernière. Ah non, 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 pas ça. Il en reste deux à poser. J'ai encore la porte aussi, hein, qui est dans l'atelier. Faut pas que je l'oublie. Et en fait, lui, il me sert de point de milieu. Comme ça, je sais à peu près où j'en suis, peut-être. Ou pas. Lui, ça serait le point de milieu, là. Donc, ça serait que moi, ici, je pose la porte. Ouais. C'est à réfléchir. Normalement, l'effet de serre se fait déjà tout près des vitres. Ça veut dire que ici, l'effet de serre de ce que je suis en train de faire va fonctionner. Hein. Ouais. Bon, encore un, et puis ça devrait être bon. Allez, je vais faire ça. Là, je serai plus centré du coup aussi. Parce que là, j'en aurais mis un de trop. Bon, écoutez, écoutez, on va l'enlever. Ça peut nous servir de point d'entrée, hein, ici. Un peu comme j'ai fait... Je change de processeur, je vais partir chez AMD, il commence à être bon. Oui, 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 moi ça va être mon premier AMD. Intel, Intel pousse un petit peu au niveau des prix. Hein. Moi j'avoue, les prix, c'est abusé. Parce que AMD font des jolis prix. Et franchement, après tout ce qu'on m'a dit sur AMD, je vais tester. Je me suis dit, allez, c'est parti. Moi aussi, je teste. Il n'y a pas de honte à vouloir changer. Hein. C'est surtout ça. Et c'est surtout qu'il faut essayer. Si on n'essaye pas, on ne sait jamais. Hein. Il me manque des branchages et du bois. Et du bois, j'en aurais pas assez. Monsieur Dubois, s'il vous plaît. Vous n'avez pas assez du bois. Bon bah, demi-tour. On va rechercher du bois. De quoi pas du tout? Tu sais pas si c'est bon ou pas? J'ai pas le chat devant moi, j'ai pas vu ton... truc. Alors le bois, je vais reprendre sur moi. Après le fait de changer au niveau du processeur, c'est surtout de mettre quelque chose qui est plus fluide, parce que certains processeurs, on m'a dit qu'ils sont pas forcément bons. C'est surtout au niveau des gigahertz, c'est la vitesse et la carte mère, si elle suit. Il n'y a pas de mal à changer. Non, non, il n'y a pas de mal à changer, c'est clair. Mais faut voir, parce que la traction des prix, elle varie selon
les sites. Hein. Moi, j'ai fait exactement hier 4 ou 5 sites avant de pouvoir me mettre à vouloir acheter. Hein. Hier, j'avais mis un prix de base. Alors, pour dire, pour le prix de base, j'étais à 500€. C'est déjà un bon prix, moi, je pense, hein, pour changer sa configuration. Alors, au début, j'étais parti moins plus sur le processeur et la carte mère, mais séparé. Alors que moi, je pensais pas qu'il existait des packs. Des packs tout compris, ça veut dire processeur, carte mère et puis les RAM. Je savais pas qu'il y avait ça. Donc, j'apprends ça par le biais de Darkneck, lui qui a fait souvent des configurations PC. Je lui tire sur mon chapeau. Il m'a montré ça et depuis, je me suis dit, allez. Allez, allez. Ça c'est là. Et ça c'est là. Et j'ai pris cette config. Ah oui, il y a de tout. Ah, il y a de tout. Ouais. C'est un vrai régal quand tu vas sur ces sites. Après, il y a les magasins. Hein. Tu peux faire les magasins qui vendent tout ça. Mais c'est pas la porte d'à côté, je crois. Moi j'ai LDC, j'ai fait hier. Matériel.net. Et. Que je retrouve. Attendez, je vais retrouver ça pour parler un petit peu de tout ça ensemble. Hier dans ma bibliothèque, comme tout à l'heure. Matériel.net, LDLC et. C'était. Alors. 5M Service Runtime, non, c'est pas ça. LDLC et tout. Comment ça s'appelle ça? Top achat et aussi Cdiscount. Cdiscount, je me suis dit Cdiscount. Gros Bill, on m'en a parlé aussi. Gros Bill. Mais moi, c'est la première fois que je suis chez matériel.net. J'étais voir un petit peu les résultats au niveau des commentaires et tout ça. Et les gens ne sont pas déçus. Souvent, les commentaires sont assez positifs. Il y a eu qu'un négatif au niveau du processeur que j'avais, c'est que je pense que la personne l'a mal installé. On avait parlé aussi ça avec Darkneck, qu'il faut bien installer son processeur parce que c'est soit que tu risques de le griller ou il fonctionne pas quoi. Il suffit d'une petite pépette ou une petite poussière dans votre processeur et c'est fini, hein, vous avez plus de processeur. Surtout, bon, on m'a dit, avant d'installer un processeur sur une carte mère, frottez vos mains sur du métal. Parce qu'il faut savoir qu'une carte mère, c'est compatible avec l'électricité. Hein. Et le processeur aussi, hein. Vous allez tout griller. c'est le grillage instantané, c'est le barbecue fait maison. Ouais, t'as la chance. Moi, c'est Darkneck, moi, j'ai pas les mains pour, on va dire. J'ai pas les mains pour et j'ai peur de faire une mauvaise manip. Tu mets des gants caoutchouc, je suppose. Ouais, c'est vrai, le gant de caoutchouc. Ouais, parce que le contact métal... Voilà, quoi. C'est la solution. Faut pas porter de chaussettes en coton ou quelque chose comme ça. Là, c'est fini. Tu grilles tout. Tu fais un toast. Non, ça serait. Puis je sais pas s'il y a un remboursement là-dessus. Après, il faut prendre la garantie. Hein. Ça, ils sont forts là-dessus. Yes, on y est. Je suis content du résultat. Paf. Bon, bah, il reste encore quelques structures. Alors, il me reste une, deux, trois, comme ça. Et puis, on va se laisser là-dessus, hein, les amis. Ça fait 2h10. On a fait nos 2h, 10h, midi, mais j'ai commencé un petit peu avant. On va donner le résultat des courses à la fin. De ce que j'ai fait jusqu'à présent. Est-ce que je peux en faire... Ah, je peux en faire qu'un. Bon. C'est quoi qui manque? Du vert, c'est pas ce qui manque normalement. Ah, si. Le vert. Et il faut combien de verres? 25 et j'en ai 27. Une upgrade de ton PC, je pense.
Ouais, tu fais une vidéo, et puis moi j'aurai le plaisir, si tu le veux bien, que je le poste sur YouTube. Comme ça, les gens, ils pourront. Comme je fais plusieurs vidéos, j'en fais pas mal. Comme ça, au moins, j'aurai ton PC. Ce sera pas le mien, bien sûr, j'indiquerai comme quoi ce sera bien le tien. En upgrade. Tu passes d'un niveau à l'autre. Ça serait impeccable, je t'en remercie si tu veux bien, hein, bien sûr. Ah non, bah, je m'en doute que c'est pas pour de suite. Ça a le temps, t'en fais pas. Ça a tout à fait le temps. Ça s'est posé. Ah, j'ai envie de continuer le live, mais les amis, on va s'abandonner là. Hein. Les bonnes choses ont une bonne fin, comme on dit. Alors, ça, je vais le détruire. Je vais pas le détruire maintenant. On refera des structures. Là, pour l'instant, j'ai soif ou pas. J'ai pas soif. Boire. Vas-y, bois un coup. Voilà. Mange un petit peu. Oh, bah, c'est vraiment un peu. C'est là-dessus qu'on va s'abandonner, je pense. Je vais rester ici sur la serre. Tu vois, déjà, là, je sens que le jeu, il va lâcher. Tu vois, j'ai des bonnes saccades. C'est là-dessus qu'on va se laisser... J'ai pas de sponsor, lol. On s'en fout des sponsors. On est là pour le plaisir de la vidéo. Et de toute façon, je suis pas monétisé, j'ai rien du tout. Dans le live, même pas non plus. Je commence le live depuis 3 semaines maintenant, je crois. Depuis début juin ou mi-juin, je sais plus. En tout cas, ça fait plaisir. Moi, je partage tout ça avec vous. Et puis voilà. En tout cas, merci d'être passé original encore une fois. Merci à tous. À tous ceux qui sont passés. Et puis il y aura la rediffusion sur YouTube comme d'habitude. Et tout ça, ça sera avec le pistolet qu'on va se finir. Ouais, ouais. Il y en a un qui va être Dex, ça va être Pégase. Mais t'as utilisé tes balles en tirant en l'air. Des bisous les amis, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à commenter, liker, partager sur tous les réseaux sociaux. Et c'est avec un grand plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous. C'était The Death et la mort est à mes pieds. Allez, je vous dis à la prochaine. Zou!